dans un univers complètement magique dans lequel les élèves ont un plaisir fou à faire leurs devoirs. Je suis Alain Roy, à l'école Saint-Jean-de-la-Lande, technicien en service de garde. Beaucoup de personnes qui rentrent ici, que ce soit d'autres corps de métier aussi, nous ont dit, puis beaucoup de parents, s'ils avaient eu ça lorsqu'ils étaient jeunes, ils auraient resté plus longtemps à l'école. Françoise Tellier, éducatrice à l'école de Saint-Jean-de-la-Lande. Alors, quand que tout le monde est prêt, on fait une petite relaxation au son de la musique, et après ça, on tourne le sablier et on se met au travail. Notre sablier dure 30 minutes. Et est-ce que c'est difficile de faire vos devoirs? Non. Ou c'est amusant? C'est amusant parce que quand même on est dans un univers que c'est pour les enfants, surtout. C'est plus fun même de faire ses devoirs ici qu'à la maison? Ouais, parce qu'à la maison, on peut pas comme décorer toute notre chambre, là, Harry Potter. Moi, le lien avec la réussite scolaire, c'est qu'en s'amusant, ils apprennent. Alors là, ça devient... c'est pas lourd, là. Parce qu'ils font du théâtre, puis ils apprennent en même temps, comme la géographie, l'histoire. Ils apprennent ça, puis là, ben, sans le savoir, ben, ils apprennent des connaissances. C'est sûr que ça facilite, là, t'arrives, puis la petite musique, ton petit 10 minutes de relaxation, on repart, on fait nos travaux, 30 minutes, go, lecture, on est prêt. On parle de lecture, il y a des soirs où ça va être le combat des tables. Mais ça, le combat des tables, tu te plantes à prendre tes tables, mais c'est drôle quand tu fais un combat, puis t'es dans cette ambiance-là, c'est plaisant. Ça prend toujours une personne significative dans notre vie, pour nous amener, on part d'un point A pour s'en aller à un dernier point. Alors, nous stimuler à faire quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. À un moment donné, il me dit, tu sais, Alain, il dit, depuis que tu as installé ma chaise de chevalier, là, il dit, je mange très bien. Mais là, moi, c'est là que j'ai compris, je dis, c'est un petit changement, ce que ça peut faire chez un enfant. Il y a des enfants qui vivent des choses difficiles. Fait que toi, ça te touche aussi. Fait que toi aussi, il faut t'absorber ça, là, puis t'apprendre ça. Là. Des fois, je m'en vais chez nous, là, puis... C'est rough, hein? Ouais. Tu veux tous les adopter? Ouais, j'aimerais bien. Mais les aimer, ça, j'ai pas de problème. Je les aime. Mais c'est ça. Parce que des fois, là, c'est sûr qu'ils se revanchent sur nous, mais c'est pas sur nous, c'est les situations. Fait que toi, tu dis... c'est ça, il faut que tu aies un recul. Tu dis, oui, c'est vrai, là, ils me traitent toutes sortes de noms. Puis ça, mais en le fond, c'est pas toi. Des projets comme ça, ça s'implique, ça peut s'impliquer partout dans toutes les écoles. Alors, ça demande juste le désir, en fait, d'aller plus loin, comme on a dit, sortir dans notre zone de confort. Parce que souvent, c'est ça, on pense que c'est pas réalisable. Mais tout ce qu'on pense, ça peut être réalisable. Il s'agit, premièrement, d'y croire aussi. Puis les enfants, là, ce qui est extraordinaire des enfants, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. C'est nous qui les arrêtons, parce qu'eux sont pleins de créativité. Moi, je remercie tous les éducateurs et les éducatrices qui sont ici. Ils m'ont appris toutes les règles et ils m'ont aidé et ils m'ont mis de bonne humeur. Moi, j'aimerais dire merci à tous les éducateurs et éducatrices parce que c'est eux qui m'ont appris des choses. Votre créativité nous aide à réussir. Merci d'être là le matin, le midi, le soir et les jours de congé. Merci. Merci. Bon 30e anniversaire!